Bonjour, bienvenue sur ObjectivMoto.com. Aujourd'hui, on est au guidon d'une super sportive. Alors, c'est l'occasion. Regarde, je te présente une tenue entièrement en cuir qui nous vient de chez Louis, puisqu'il s'agit d'une marque Raker. C'est une de leurs marques, hein, justement. Et c'est donc évidemment l'occasion de sortir cet équipement pour simplement vous en faire profiter et vous donner notre avis. Alors évidemment, on va aller s'arrêter quelque part, histoire de vous en faire profiter autrement qu'en roulant, parce que vous présenter des vêtements en roulant, c'est pas évident du tout. Ah, j'aurais pu vous présenter cet équipement beaucoup plus tôt. Malheureusement, l'essai prévu de la sportive fin de la saison passée est annulé. Alors, je profite de cette kawa pour vous présenter cette tenue qui nous vient de chez Louis. C'est la marque Raker. C'est une de leurs marques. Il s'agit du blouson C1104 et le pantalon C1003. Ouais, avouons que sur les noms, on aurait trouvé plus facile avec un petit nom, un petit pseudo, enfin autre chose. Alors la tenue évidemment est livrée sans la dorsale, vous devez le rajouter, les sliders également, les autres protections évidemment, elles sont bien prévues à l'intérieur. Vous avez évidemment un blouson en cuir, de buffle entre 1,1 et 1,2 mm, des renforts 600D sur les épaules et les coudes, et évidemment des protections à l'intérieur. Notez aussi les manches préformées pour pouvoir utiliser des gants sportifs. Le dos descend un petit peu plus bas. D'ailleurs, vous voyez à l'avant, c'est un petit peu... c'est un peu court, quoi. C'est un peu plus long à l'arrière, heureusement. On retrouve à l'intérieur trois poches, parce que vous voyez, à l'extérieur, il n'y en a pas du tout. Forcément, côté aspect pratique, c'est un petit peu limité puisque vous n'avez vraiment pas de zip à l'extérieur, ni sur le blouson, ni sur le pantalon. La veste, évidemment, est assez préformée. C'est souvent le cas sur un cuir racing. On peut évidemment la rattacher au pantalon. Le pantalon qui a, comme vous voyez, un grand soufflet sur le haut, ce qui vous permet de couvrir également le bas du dos. Et bon, moi, je vous conseille évidemment quand même de l'attacher. C'est un minimum, surtout sur une sportive. En général, on est assez souvent plié. Et histoire de rester confortable, vous avez évidemment des parties en stretch élastique sur le coude, le dos, les manches, le bas du pantalon, enfin surtout à l'arrière des genoux et à l'intérieur des cuisses, histoire évidemment de garder une facilité de mouvement. Et je veux dire que de ce côté-là, on ne se sent pas coincé en roulant sur la moto. Bon, évidemment, ici, les bottes ne sont pas forcément les bottes les plus sportives qui pourraient convenir. En plus des protections aux genoux, vous avez également des protections aux hanches, à savoir que celles des genoux et des coudes sont réglables sur deux positions. C'est toujours plus pour le confort. Bon, il faut bien avouer que mon physique va rarement assez bien avec une... veste ou un blouson sportif, vous l'avez vu, c'est pas franchement prévu pour ceux qui ont de l'embonpoint à l'avant, coupe sportive oblige. Vous voyez effectivement les parties élastiques sont vraiment bien positionnées, histoire d'être vraiment bien confort sur la moto, même sur une moto sportive comme celle-ci, qui est forcément pas prévue pour faire du tourisme. Vous pourrez évidemment utiliser cette tenue pour la piste, vu qu'elle est reliable entre elles. Moi, il faudrait évidemment se renseigner, ça dépend un petit peu des organisateurs. Là où évidemment il y a un gros intérêt, c'est que Louis propose leur propre marque à des tarifs intéressants, puisque le blouson que vous avez ici vous coûtera 299,99 €, bon, comptez 300 € pour le blouson, et... 270 € pour le pantalon, ce qui nous fait quand même un beau budget, mais qui reste, ma foi, raisonnable pour une tenue sport de pièces, évidemment, mais sport quand même. Alors, il faudrait évidemment rajouter la dorsale, c'est un must, et les sliders, bon, soit si vous les utilisez, ou simplement, comme moi, pour faire le kéké. Voilà, le gnome avec les sliders sous vierge.
Eh ben ouais, sur route, les amis. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Bon, je vous montrerai pas les sliders par la suite. En tout cas, ici, sur la vidéo, ils sont tout beaux, tout vierges. Et, bah, ça ne regarde que moi. Voilà. Na. Bah, quel petit joueur, ce Diabolocile. Bon, plus sérieusement, eh bien, moi, je trouve que Louis fait du bon boulot avec cette marque Recurve. Il y a d'autres blousons, d'autres tenues sportives ou moins sportives. En tout cas, à des prix abordables pour une bonne qualité. Et bah, je trouve que ça me permet évidemment à tout un chacun de s'équiper. C'est vrai que si vous n'êtes pas fan de piste, pourquoi évidemment aller dépenser des fortunes alors que vous pourriez, comme avec ces tenues, garder un petit peu le budget, bah, ne serait-ce que pour payer vos pneus, par exemple. Vous retrouverez évidemment l'article complet de ce pantalon et de ce blouson Recurve sur notre site www.objectif-moto.com.